같아. Oula, il y a un petit moment où j'ai pas conduit. Bon, il y a un moment que j'ai pas conduit. Bon, je finis ce jeu maintenant que j'ai fait toutes les équipes. 20 ans que j'attends ce moment. Oh, j'ai déjà piloté des voitures de ce genre, mais il y a longtemps. J'avais conduit une seule fois une Skyline. Wouh, ça fait bizarre parce que le volant est à droite. Et quelle jouissance. Skyline R34, la voiture de mes rêves. Mais j'ai une GTR, moi, pas une simple Skyline. J'adore ce jeu de bagnole, putain qu'il est bien. Et sur 3.6 il est bien, sauf qu'il n'y a pas les mêmes périphériques. Et en plus je suis déçu pour le boss. Parce que le boss de Wanderer, c'est le boss des périphériques et on peut pas la customiser ni rien. C'est là où j'étais très déçu. Puis ils vont dire que sur la troisième cast. Hein. Et j'aime bien mettre que des bonnes musiques, pas de la merde. Surtout pas de rap. À part Eminem, mais j'ai horreur du rap. Ça amène à la connerie. Tu te prends pour un dur. Alors t'as rien fait peut-être de spécial. Il y a trop de rap qui amène à la violence. Beaucoup trop. Surtout leur façon de parler ne va pas. Il y a qu'Eminem qui est excellent. Et vous ne verrez jamais jouer avec cette vue-là. Quelle horreur! Il n'y a pas d'impression de vitesse. Ils font ça pour convoyer leur caisse, mais... Là, il y a une impression de vitesse. Là, on voit bien les détails des virages. Enfin, rien ne vaut le vrai cockpit quand on est dedans. Mmh.
Pour moi, les vrais pilotes, on les trouve pas sur Gran Turismo. Ça, je déteste ça. On les trouve pour ceux qui ont commencé en tant que vrais pilotes et pas sur des consoles. La réalité des jeux vidéo, c'est deux choses à part. Hein. C'est pour ça que le film Gran Turismo, j'irai le voir, mais je ne serai pas emballé. Car ce ne sont pas de vrais pilotes. Ils auront beau faire ce qu'ils veulent, mais le vrai pilote, ça ne vaut pas des pilotes comme Niki Lauda, James Hunt, ça c'est des pilotes de Formule 1, Sébastien Loeb, tout ça, ce sont des vrais pilotes, ça. Et après, il y a des pilotes qui se font pas connaître, qui auraient dû être des pilotes aussi. Un ami à moi est un vrai pilote, Mike. Lui, n'importe quelle voiture, incroyable. Il a 46 ans, il conduit comme un taré depuis l'âge de... Enfin, pas comme un taré. Il conduit avec une excellence incroyable. Mais il y a des gens qui ont des talents innés pour les pilotes de voiture. Moi, je sais conduire aussi. J'ai conduit sur une Skyline une seule fois dans ma vie, mais sur circuit, quel bonheur. Avec le pilote à côté, bien sûr. J'avais quoi, 27 ans. Ça, c'est la musique d'Initial D, So Fragile. Je suis un fan d'Initial D, moi. Takumi Fujiwara, et surtout son père, Bunta, le cinglé. Enfin, bref, tout ça, je vais pouvoir enfin finir le jeu dans toutes les équipes finies. Oh putain, quel bonheur. Mais quel rêve, ce jeu. Pas sur Play 2, c'est une horreur. Oh non, de Dieu, quelle horreur. Le bruitage, tout, il n'y a rien qui va, c'est affreux en plus. Et oui, moi dans ma vie, je ne suis pas... J'étais gamer, mais je restais pas chez moi tout le temps. Quand j'étais plus jeune, même jusqu'à l'âge de 32 ans, je jouais le plus souvent à la console la nuit en débauchant. Et je passais plutôt mes journées à être dehors. J'ai pas fait qu'un métier, je parle à plein de gens, qu'ils soient ftiques, peu importe. J'ai voyagé dans pas mal d'endroits. Hein. Déjà, j'ai fait la France du nord au sud, côté ouest. Une fois, je fais la l'est à Perpignan. Mais ma vie, je l'ai pas fait qu'à la maison. Je suis fan de films, de manga, de musique, de bricolage, de réparation, de PC. Je dépanne des amis en PC et en réseau. De passion. Tout ce que je vous dis est une passion. Faites comme moi, intéressez-vous à tout. Ça me coûtera moins cher. Et je répare même ma voiture moi-même. Sauf la croix de distribution, ça je le fais pas. Moi, ce que je souhaite aux jeunes, c'est un grand avenir. Ne vous laissez pas faire, jamais. Même si la vie vous met à bas, ne vous laissez jamais faire. Je sais que c'est arrivé à tout le monde d'être tombé bas. À qui ne s'est pas arrivé. Mais à un moment donné, on remonte. Moi, j'élève seul mon fils, mon second fils. Mon aîné, pour le besoin, il est papa. Mon second fils, j'élève tout seul. J'ai eu une autre femme, et j'ai une autre femme, bien sûr, depuis 13 ans. Ma copine a 35, moi j'en ai 51. Je l'ai connue, j'avais 39-40 ans, elle avait 22. On a chacun son appareil. Là, je vais pas raconter ma vie, mais je vous dis que simplement, voilà. Ne vous laissez jamais faire. Allez, c'est parti. Je vais me faire au total, j'ai fait 5 km, au total 11 km, en footing. Je suis pas fatigué, loin de là. Mmh.
La Lancer Evolution. Je crois que c'est la Lancer Evolution 4 ou 5, celle-là, mais elle est jolie. Après, les nouvelles à niveau, j'aime pas. Je préfère les anciennes à niveau. Mais j'adore la voiture japonaise. Puis j'aime le Japon. Je suis un fan du Japon. Tout comme la streameuse, mais je me rappelle plus. Soramui, je sais plus comment elle dit. Elle aime bien beaucoup le Japon aussi. Bravo elle. N'oubliez pas ma liste de streamers recommandés, hein, et de gamers recommandés. Mais il y a une streameuse pour moi qui va aller très très loin. C'est Miss Sweetney. Elle va aller très très loin en tant que gameuse, en tant que femme. C'est une excellente gameuse. Incroyable. J'en fais mes éloges. N'hésitez pas à la voir, elle stream beaucoup le week-end, hein, presque 12 heures d'affilée, mais quel talent. Elle me rappelle moi. Mais bravo. Nice. Et j'ai d'autres streamers aussi qui sont incroyables. Qui méritent leur attention. Ils méritent d'être connus. Ce jeu de voiture, allez-y, jouez-y, hein. Il est bien, hein. Nom de Dieu. Faut le maîtriser par contre. Oh, alors lui il est dur. Honda NSX. Bien vitaminé. Je sais pas si je vais perdre ou gagner. À chaque fois, ça c'est une question de chance des fois, dans le virage. Ah putain, elle a cogné au mur. Je ferme ma gueule pour que je puisse mieux jouer. Parce que si je me tais pas, on joue mal. Ils sont très durs à semer. Là, c'est quand on vous colle au cul. Ouh! Oh la garce! Il va m'avoir, je pense. Ah voilà le problème, c'est qu'après il faut prendre la voiture légendaire. J'ai qu'une lanceur moi. Porte d'avis d'affilée quoi. Et voilà. Merde. Allez vite, je sais où la voir. Vite. Ah ça fait du bien de perdre, nom de Dieu. Phantom Racer. Faut que j'essaie de le battre avec elle, mais... Je sais pas si c'est propulsion la Honda NSX. Oh le con. Alors ce que j'aime pas c'est qu'il bouscule dans le jeu. Ah et voilà, alors là quand vous êtes bloqué sur un taxi, bon. On va faire envoice. Ok, on n'a pas le choix. Wayne Warrior. Je parle trop. On va prendre la dengue.
un dingue pour coincer un autre dingue. Ah, parce que ce jeu, on se demande si les voitures... Avec elle, ça m'étonnerait que vous perdez. Quoi peu, oui, un peu. Allez. Alors, allez, c'est une tarée. Faut la maîtriser d'abord, elle est très dure à... Moi, je fais pas de klaxon. Ah, j'ai raté mon dérapage. Il y a pas de frein à main, c'est ça qui est chiant dans ce jeu. C'est dommage. Allez, 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 on y va. Ça, c'est l'autopilote qui est chiant. J'ai pas de temps à perdre, là. Allez, dépêche-toi. Le fumier. Le fumier. Le fumier, le fumier, le fumier. Quel fumier. T'avais pas le droit, ordure. Dépêche-toi! Allez, j'ai pas de temps à perdre. Moi, faut que ça bouge. En plus, ce matin, j'ai fait de la musculation, mais... Allez, on y va. RR7, ouais, c'est pas s'ils avaient pas la licence. RX7 en fait. Mazda. Ah putain, c'était pas la bonne bagnole. Ça, je crois que c'est... F86, il me semble que c'est une Mazda aussi. Il me semble, je sais plus trop. Il me semble que c'est Mazda. Ouais. Ordure de camion, là. Espèce d'ordure.
Allez, maintenant Fred. Un autre dingue pour arrêter un dingue. Hein? Oh, c'est pas vrai. Putain. Quelle ordure là. Dégage. Hein? C'est pas possible. Pines, ah tiens, te voilà, espèce d'ordure. Te voilà, toi. Ah là, ça c'est clair. Viens ici, toi. Hein? Espèce de pff, saleté, ouais. Allez, viens là, cercueil roulant. Apprendra. Allez. Ordure. Mon Dieu, j'aime pas ça. Enfin, te voilà, toi. C'est vrai qu'elle est belle, mais pas en jaune. Oh, jaune citron. Noir, ouais, je sais pas, mais... Allez, viens là. Là, tu fais moins malin quand c'est équilibré, hein. Eh oui, à chacun son tour. Fumier, je t'aurai. Ah, bon Dieu. Voilà. Fumier. Allez. On va continuer avec elle un peu. Merde. Je sais pas s'il n'y a pas une autre voiture bleue à gagner ici, il me semble que oui.
Putain, je l'ai vu arriver, mais non. Et mon jeu de voiture aussi sur la première Xbox génération, ça a toujours été Need for Speed Underground 1. Il n'y a que le 1 que j'aime. Les autres, c'est de la gnognotte. Des fois, je faisais des drifts de légende sur le 2, mais bon. Ah, je savais qu'il y en avait une. Bon, allez, là, faut que je la ferme un peu, là. Allez, on y va. Pourquoi je m'achète Forza Horizon 2 ? Maintenant, il doit pas coûter cher. Je suis quelqu'un qui a horreur du Game Pass, alors moi je préfère le CD. Non seulement le CD coûte pas cher, de base, mais la chose qui est bien aussi, c'est que vous prêtez votre jeu. Et le jour où les consoles ne font plus CD, je n'achèterai plus de console, j'arrêterai là. C'est une promesse. Allez. Mais le film Gran Turismo, ça me tarde de le voir quand même. Parce que bon, je sais que Gran Turismo, c'est un très bon jeu de voiture. Non, non, faut pas que je gagne avec cette voiture, ce serait pas bien. C'est pas bien. Akagiretsen. Ah, Ryosuke Keisuke. Je vais essayer la Mazda. Alors, après tout, c'est bien réglé. Ça devrait aller. Nouvelle course, ouais, je sais. Allez, allons-y. En fin de compte, je crois que je suis guéri, hein. Plus de peur que de mal, ça me tarde 15. Allez, Keisuke, on y va. Keisuke Takahashi. Et au passage, vive le Japon! Moi, j'essaie de changer par mon titre Kenshiro. Il faut que j'essaye de... Parce que j'avais été obligé de mettre... Il y a rien qui m'ont posé des questions stupides. Bah, si j'ai mis un grand X, un petit X, c'est parce qu'il n'y avait pas que moi qui m'appelle Kenshiro. Donc il faut bien essayer de différencier pour avoir encore Kenshiro qui est marqué dessus. J'aimerais jouer une Fortuner, mais le problème, c'est que... Xbox, Microsoft n'ont pas fait la compatibilité. Il n'est pas compatible sur la One pour l'instant, donc il y a des bons jeux qui devraient être compatibles sur la One et qui n'y sont pas. Et ça, je trouve ça vraiment décevant. C'est dommage. Alors, comment allait la Mazda quand elle... Allez, c'est parti. Red Dead Redemption 2, je vais essayer de faire les défis, enfin les défis de progression, malgré qu'ils sont un peu n'importe quoi, n'importe nawak. On vous dit, faites le jeu, bon allez, on va dire, faites le jeu, faites la mission en moins de 3 minutes. Oui, d'accord. Il est où le chrono?
parce qu'avec même avec mon propre chrono, ça marche pas. Donc il y a une chose qui va pas, quoi. Ah, c'est la Porsche Carrera 911, si je me rappelle bien. La Porsche, je sais que c'est moteur de propulsion assez lourd, puissant, mais dangereux. Eric, tu sais, contre Porsche, normalement, ça fait pas le poids, mais bon. Elle est vitaminée. Ah oui, elle est pas mal. Je sais plus ce que c'est comme marque. Elle est jolie. C'est une voiture japonaise, bien sûr, mais il y a une voiture française en jeu, oui. C'est un 6. Je suis pas très voiture française, moi. Mais... Ouh, fourchette. Oh, je vais voir ce dérapage. Oh putain, il est beau celui-là. Il est beau. Normalement, on peut... Ah, merde. Normalement, on peut choisir la vue, mais je sais plus comment on fait. C'est chiant. Il n'y arrive pas. Il m'a collé aux fesses. Hein. Ah, si j'avais touché, ouais. Merde, y a pas la voiture du boss encore. Donc il y a encore une équipe à gagner. Bon, j'ai dû le faire peut-être. J'ai dû le faire tout à l'heure. Mal joué. Subaru. Auto-érotique. Ah, s'ils peuvent vous bousculer, ils le font. C'est ça que je trouve pas cool.
Oh bordel. Toyota Supra. Et ça, ça... Propulsion. Il y a que c'est un moteur rotatif, la Mazda. Putain. Merde, j'ai mal chopé mon joystick. Ah, c'est ce virage que j'ai du mal à négocier. Putain de virage. Allez, avance. C'est cet autopilote qui est chiant. Je m'en fous de la présentation, allez, dépêche-toi. Elle s'est payée le mur. Je vais prendre la voiture de Bunta. Ouais, on va voir. Et 70s, alright. It's alright, it's alright, it's alright, very alright, it's alright, maybe alright. Alright, 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 be alright, 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 tell me alright. Trop loin. Année 90. It's alright, it's alright, it's alright.
It's alright. And alright. Are we alright? Alright, alright, are we alright? Alright, alright, are we alright? Ah, maintenant il est ruiné et... C'est dommage. Allez. Gozo Oshino. Eh oui, j'ai toujours un cœur de 20 ans, moi. Il manque une voiture ici normalement. Allez, en avant pour la Skyline, ma préférée. Allez, on va ici juste. It's alright, it's alright, it's alright, so alright. In all life, I'm alright, and they tell me alright, 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 tell me alright, alright, alright. Alright, alright, it'll be alright.
Bon, j'espère que cette voiture va aller au bon circuit. Ouais, c'est celle-là qui me manque. Ok. Hop. Une seconde. Rocky 3 Remix Eye the Tiger. The time. IFX. Mazda IFX.
s'accroche. Ça, c'est du combat. Il n'y a plus de boss. Ok, donc on va aller chercher des boss maintenant. Oh, je vais prendre ma cinglée. J'adore. Une véritable tarée cette voiture. Nissan. Z300, Nissan, je sais pas comment ça s'appelle, Nissan Z, ah, c'est une sorte de 350Z mais à l'ancienne. Nissan Fairlady Z, on va y arriver. Celle-là, en plus, j'ai appris à la maîtriser, comme ça me rappelle dans Sega Rally la Stratos. Très dur à maîtriser la Stratos, mais... Bon, c'est qui le prochain là? Ah, il est derrière. Oh, c'est chiant, faut attendre. J'ai horreur de jouer avec la vue comme ça, moi je peux pas. Allez, dépêche-toi. 3474 km sur le compteur, c'est rien du tout. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi, je te dis. Ah. Allez. Ah. Subaru. Elle a une accélération incroyable. Je sais pas si j'ai tout fini. Oups.
sais pas quel est le meilleur entre Gran Turismo et Forza. Moi je dirais que les deux sont bien, voilà, pas de jaloux. Super Speedwagon, Another Star. Ok. Initial D. C'est joli. Faut des bonnes musiques pour jouer un jeu de voiture. Encore ? Le pire, c'est qu'on peut pas reculer indéfiniment. Allez. Un jour, je me retente Sonic 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce que j'étais fort à ce film. Alors, Sonic Pinball, j'arrivais pas à péter la bulle de Robotnik. Voilà. On va trouver l'autre. Oh.
Oh, elle est là-bas. Elle est là-bas. Allons-y. Hop là. Allez, va. Bon, on va aller un peu plus vite là.
Ah mais attends, faut voir si j'ai tout fait. De ce côté-là. Alors, je prends une voiture de classe B pour voir normalement. Voilà. Oh, une Another Star. Ah, il me manque une Another Star, mais où est-ce qu'elle est? Elle est pas là, en tout cas, elle est plus loin. Tous les murs là.
Allez. Allez. Voilà, bon, on va mettre un peu la musique du jeu parce que là, j'en ai plus les oreilles. Moi je vois avec elle, je l'adore alors de toute façon cette voiture. Ok. 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 Bon alors, la voiture d'un boss, c'est la R32 et en B. Je trouve une voiture en B. C'est facile. Yogi Dinakid, ouais. Akagi Red Sun. Impact Blue. Akagi Red Sun. Ah, Spita. Ok, je vais essayer moi. C'est quoi ça? Ah. Oh, je vois un peu la musique du jeu, ça fait du bien aussi. Enfin, mes oreilles, pff, elles en prennent une gamelle. Je bois de l'eau, moi. Peau fraîche. Alors, la R32 est une bonne voiture, mais elle est lourde. Là, elle est allégée normalement, mais bon. Je préfère la musique du 1. Hein.
Mais bon. On va mettre la musique à fond. Je l'ai pas réglé là. Je sais pas ce qui se passera quand on finit le jeu. Qu'est-ce que dira le jeu? Vous l'avez fini? Oh putain! Honda Civic, non, je crois. C'est une Honda Civic. Ouais. GRX. Pas si c'est son vrai nom, parce qu'il n'avait pas la licence. L'œil de l'ombre. Allez, pas facile à arpenter. Pas fastoche l'air 32. Changer de voiture. Je me trouve une manette One pour PS3. Moi. Ça c'est Mitsubishi, je crois. Le Nissan, c'est cool. Ah putain, c'est vraiment des ordures. Hein. J'ai de la chance si c'est chez le virage. J'ai du bol. Ah.
Mais je crois que c'est le Mazda, je crois, le boss pour les voitures de classe B. Autrement, après, c'est l'R32 en voiture de classe A. Drift Queen. J'ai horreur de ça qu'on m'empêche de passer. Je vais essayer d'affronter dans l'autre circuit, mais est-ce que je vais gagner alors là? Normalement, ça devrait aller. Oh, j'ai négocié le virage. Elle est jolie cette voiture, je sais pas ce que c'est comme marque. Bon, ça va. Ah, ok, c'est pas le boss encore de leur équipe. Mmh.
Oh bordel! Alors là, ça m'étonne que je gagne. Bah, ça dépend comment les booster. Skaden contre ma bagnole. Wrong way en plus. Ah là, c'est chaud. Alors ma voiture elle est pas faite pour affronter une Skyline. Hein. Ben merde. Oh là là. J'ai une chance sur 100 pour gagner. Hein. Pouf. J'y croyais pas. Hein. Allez. Oula! Celle-là, c'est du balèze. Puissant, ça. Plus puissant que la mienne. Je passe pas par là pour rien. Par contre, il n'y a pas de voiture. Merde. Je sais, elle est pas faite pour les... Oh, encule, alors là, la moindre mur et je suis mort. Ah, mais j'ai réussi. La FC elle est pas mal non plus. Hein.
Il n'a pas le frein. Ouais. Je sais plus qui c'est la zone de boss de celui-là, merde. Le boss de cette zone, je sais plus ce que c'est. Ah, mais c'est comme celui de la cocotte, là, ça y est, je la scène. Allez, encore un petit effort. Là. Là voilà. Là, je la sèmerai pas celle-là. Comment il s'appelle? Purple Comet. La comète mauve. Normalement, elle. Lui il est boosté. Est-ce que je le battrai? Alors, hein, je ne crois pas, mais bon. Il va en avoir bientôt. Ah, c'est ce que je pensais. Ah, il faut l'avoir avec notre voiture, parce que là... Ah, c'est fini. C'est fini. Je le sais. Bon, je vais prendre... Je voulais juste lui. C'est tout ce que je voulais. Ah, je vais attendre un peu là.
C'est pas fini, ça c'est juste la moitié. Ouais, je vais arrêter là, moi. Parce que j'ai autre chose à faire entre temps, malheureusement. Bon, je vous dis à ce soir, sûrement, ou demain, parce que je sais pas trop là. Demain matin, quand je me lève à 6h, puis après à 11h, j'ai rendez-vous. Voilà, je vous dis, mais à bientôt. Allez.